RMC, l'immanquable grande gueule, Pascal Perry. Les passes droits, ça suffit, parce que vous comprenez les passes droits. À l'assistance publique, c'est le bon français qui gagne beaucoup d'argent. Il a aussi des passes droits avec les consultations privées à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Ça, les Français n'en veulent plus. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on doit avoir des passes droits. La santé, ça doit être pour tout le monde au même niveau. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a le droit d'avoir un meilleur système de santé. Dans un hôpital public, je vous rappelle qu'un droit constitutionnel, la constitution française, c'est une chose très claire. Le service public doit assurer un traitement égal à toute la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. D'accord. Quand on met en place un système privé de ce type-là, dans ce cas-là, appliquons par exemple le même régime de retraite pour tout le monde, parce que moi je veux bien que l'égalité... Mais écoutez, c'est pas le même régime de retraite, je vous parle d'un droit constitutionnel, c'est inscrit dans la Constitution. Le service public ne peut pas être prestataire pour le privé. Alors je vais vous dire au moins une chose. Il y a la jurisprudence au Conseil d'État. Je veux qu'on attaque au Conseil d'État sur ce type. Moi je veux qu'on attaque la gestion du comité central d'EDF géré par vos amis et qui nous laisse chaque année des ardoises qu'on paye tous, monsieur. J'en ai assez d'entendre des énormités telles que vous les dites. On devrait vous interdire de parole dans ce pays. Je pense que les Vous êtes assez raconté de conneries là. Vous avez des gens qui apportent de la capacité contributive et vous proposez des déficits, vous. RMC. L'immanquable grande gueule.